En plein cauchemar, à quoi rêvons-nous ? Bonjour. Une centaine de vidéos, près de 14 heures de programme, pas moins d'une cinquantaine d'interviews, deux longs métrages. Voilà désormais 6 ans que nous explorons les mécanismes de nos sociétés, cherchant à comprendre comment tourne notre monde et pourquoi parfois il déraille. Mais que faire une fois le moteur démonté et toutes les pièces posées sur la table ? Est-il possible de tenter d'autres assemblages, d'inventer d'autres systèmes, de faire autrement ? Et si l'on creusait cette question à travers un nouveau projet documentaire, dites bonjour à Utopie. L'idée est aussi simple que paradoxale. Aller sur le terrain, documenter des utopies réelles, concrètes. Par essence, une utopie du grec ou topos n'a pas de lieu, elle n'existe pas. Et pourtant, notre monde actuel est le fruit d'utopies mises en mouvement. Un marché mondial libre et dérégulé, ou une vaste ZAD autogérée sont des utopies concrètes, palpables. Quelle que soit l'idéologie qui les porte, elles sont là, creusant des trous dans notre présent. Qu'on le veuille ou non, les rêves et les imaginaires de quelques-uns dessinent les réalité de tous les autres. Alors voilà, pour ce nouvel opus documentaire, après avoir creusé les enjeux climatiques et questionné la démocratie, nous avons choisi de partir à l'abordage des utopies. Nous serons, une fois de plus, accompagnés par France TV Slash, sans qui DataGueule n'existerait pas, et sans doute par le CNC, mais comme pour démocratie, sans vous, ce projet ne se fera pas. Cette fois-ci, il ne s'agira pas d'un film, mais d'une série documentaire. Chaque épisode durera une heure environ et à chaque fois, nous confronterons plusieurs utopies réelles pour voir dans les frottements quelles étincelles jaillissent. Pour cela, nous allons devoir enquêter, identifier des lieux, des gens, des projets, puis aller à leur rencontre, documenter en images ces utopies et enfin assembler les épisodes avant de vous les restituer. C'est un processus nécessairement long qui mobilisera au moins une quinzaine de personnes sur plusieurs mois. Avec 200 000 euros, nous pourrons financer les deux premiers épisodes de cette série. Si, par chance, nous dépassons ce montant, nous pourrions produire plus d'épisodes. 3, 4, pourquoi pas 5 ? Soyons fous. Pensons utopie. Allez, partons collectivement explorer ces utopies qui peuplent notre monde. Rencontrons celles et ceux qui les pensent et les habitent. Essayons de comprendre ce qui les a fait naître et appréhendons leurs limites. Nous reviendrons sans doute d'un tel voyage avec de nouveaux horizons. Voilà, on avait ce projet d'une série documentaire, d'un récit documentaire autour de cette notion, de ce mot aussi fascinant que passionnant d'utopie. On avait ce projet-là depuis bien longtemps, depuis de nombreux mois en fait. Puis lorsque la crise du coronavirus est arrivée, on a tout suspendu. Un peu comme tout le monde, on s'est mis entre parenthèses. Et puis finalement, on s'est dit que c'était peut-être le meilleur moment pour penser ce que pourrait être un vrai après, un vrai changement, une vraie utopie. Comme pour démocratie, il nous a semblé évident, essentiel de partager l'intégralité du projet avec vous. Alors bien sûr, pour son financement. Mais aussi pour l'enquête, les recherches, savoir de quelles utopies on pourrait parler, quels lieux on pourrait aller documenter et se baser pour ça sur vos suggestions, vos idées, vos propositions. Et qui dit financement collectif, dit propriété collective. Ce que ça va permettre, c'est qu'on va pouvoir diffuser l'intégralité de ce documentaire sur YouTube en démonétisé, sur Peertube, et le tout en Creative Commons pour que vous puissiez vous-même le diffuser sans contrainte et le réutiliser, le remixer comme bon vous semble. L'ensemble du projet est bien sûr détaillé, précisé sur la page KissKissBankBank Utopie. La campagne commence le 3 mai 2020. Elle s'interrompt le 14 juin 2020 toujours, à minuit pile. D'ici là, ce seront 6 semaines d'échange. 6 semaines d'échange avec vous, évidemment. On va organiser des événements, des FAQ, des lives, mais aussi avec des historiens, des historiennes, des anthropologues, des personnes qui sont tournées vers le passé de l'imaginaire des utopies pour se préparer avec vous à envisager dans cette série documentaire son présent et son avenir. Voilà, c'est donc un nouveau projet documentaire DataGueule qui s'ouvre, une nouvelle aventure autour de cette notion si folle et passionnante d'utopie qui pourrait peut-être nous aider dans ces temps légèrement sombres à envisager collectivement ce à quoi nous rêvons. En tout cas, vous êtes toutes et tous bienvenus à bord. L'aventure ne fait que démarrer. À très vite et merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci.